Yalla, coucou les Afrostyles, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc, Dieu que c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche des notifications. Et aussi bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vous amène avec moi au restaurant. Je vais aller prendre un petit pot en fait avec mon chéri. Donc, on le fait de temps en temps. Voilà, ça fait revivre notre couple. Alors. Attends. Alors les filles, moi, je m'en vais prendre un pot avec votre père. Un quoi? Un quoi couper? Un pot. C'est une pot? C'est quoi un pot? C'est un verre. Un pot, c'est un verre, chérie. Il fallait avec vous. Ah ben non. Tu mets Sony? Non. Si tu as déjà dépassé les 6 minutes. Oli. Et tu fais pipi d'abord. J'espère qu'il n'y a pas des habits sales dans ta chambre. Tu as dit que tu me servais. Tu as dit quoi? Ça fait depuis. Ah, elle n'a pas mangé depuis qu'elle est rentrée. Non, il faut lui servir à manger. Depuis qu'elle me dit à la fin, je lui dis je te sers un peu. Non, j'ai pas mangé. Tu manges le tarot? Il n'y a pas de tarot, il n'y a plus de tarot. Mais il n'y a plus de tarot. J'ai tout mangé. Après qu'elle est rentrée, je lui dis est-ce que tu as faim? Elle me dit oui, je lui dis je te sers, elle me dit non. Elle m'énerve là. Il n'y a plus de tarot. Papa est déjà parti. Ouais, il est sorti. Oh, au revoir. Attention à Sky. Hello! Hello, coucou la famille! Donc, du coup, on va sortir prendre un verre. De temps en temps, il faut prendre quelques petits moments à deux. Et là, j'en ai vraiment. Parce que je suis fatiguée. On a travaillé toute la semaine passée, toute cette semaine. On est épuisé, j'ai mal partout. Donc du coup, je vais aller prendre un verre, mais à l'extérieur, sans les enfants. Voilà. Le cils là, vraiment. Ça fait bizarre. Voilà. Les lunettes de soleil le soir, mon cœur. La marque de Fabrice. Tu brilles tellement qu'il me faut porter les lunettes pour bien te voir. Jésus, que tu vas bien. Non, moi si je brille, je dois pas regarder sans lunettes, c'est fait. C'est fait. Tu n'as pas dit, hein, on va où? Alors, je ne sais pas, on va prendre un pot. C'est toi le mec, non? Ok. Ouais, on va n'importe où si je veux. T'as même ta Jidor. Ta Jidor, c'est au Cameroun, hein, papa? Ah, on est où ici? Ouais, le gars, c'est là. Quand il était au Cameroun, il m'a pas amené ta Jidor. Il venait pas m'amener ta Jidor aujourd'hui là. N'importe quoi. So, il y a qui veut m'amener au tachito. Ah, mais c'est la chance. Donc, moi, je sors sans veste et toi, tu prends ta veste. Tu me dis que c'est chacun sa chance. Oui. Mais si j'ai froid, il y a le langement. Je m'en fous, mon cœur. Si j'ai froid, je prends. Si j'ai froid, je prends. C'est pour toi là-bas. Tu rêves en couleur. Et il repart en bas, et il remonte encore, et il tourne encore, et il remonte encore. C'est qui? Le monsieur de... Oui, oui. C'est que voilà. Non, tu es blanche là. J'ai l'impression d'avoir... Non, j'ai vu, c'était plutôt la rouge qui était garée devant chez nous. Tantôt la jeep, c'est une jeep. C'est en distance. Ah bon? C'est en sorte que... Si ce sont les braqueurs, ah ouais, tu mets le pied dessus, tu doubles, tu racles l'autre. Qui a dit mon cœur? On a dit. On c'est qui? Homme. Tout ça c'est homme. Tout ça c'est homme. Non, c'était pas une place. Voilà des places pleines, non mon cœur? Oui, tout ça c'est homme. L'histoire de la pollen, oh. Dès que je mets le pied dehors, tu es pollinisé. Je suis pollinisé. Comment polliniser là? Je suis pollinisé. On est pollinisé.
Ok, on est arrivé. C'était juste quelques secondes. Ok. S'il vous plaît. Merci. Donc, du coup, bonsoir. We are in the restaurant. Bonsoir. Donc, on va regarder à l'étage. Moi, toujours avec ma caméra, les gens qui me regardent partout. J'aime bien ce restaurant parce que c'est chic, c'est beau, c'est cosy. D'habitude, on mange en bas. Aujourd'hui, là. Voilà. Il y a un peu de salade sur. Je pense qu'il y a des enfants qui aussi. Il y a un truc. Pour des genoux, mon ami. Crazy. Ok, c'est bon. Installez-vous, monsieur. Bon, j'ai vu l'image, voilà, ça va. Dans l'autre sens, je suis vraiment contre. Ça fait en sorte que l'image n'est pas assez forte. Non, là, ici, c'est un restaurant non loin de la maison. J'aime bien venir ici avec maman, même si je peux prendre un petit verre. Ouais. Voilà, ça, l'image est plus claire. J'aime bien venir ici, comme je disais tantôt, on aime bien venir ici, histoire de prendre un petit verre. Là, j'ai cuisiné aujourd'hui, hein. J'ai fait des légumes et du macabo comme complément, et du taro aussi. Mais par moment, il faut qu'on sorte, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. On n'a pas pris le temps pour nous deux. Voilà, donc demain soir, maman n'aura pas le temps, c'est demain, on est vendredi, donc du coup, on peut pas sortir aujourd'hui, voilà, c'est important. It is very important for our couple to have a time for us. Mon anglais commence à se perfectionner. Et moi, je trouve qu'il me regarde comme si c'était anglais. Ah là là, j'ai oublié, en fait, à mon trépied, j'ai dû prendre ma caméra. Bon voilà, la caméra, tout le monde va me regarder comme ça. Déjà, on me regarde déjà avec mon téléphone, tcha partout là, donc du coup. Bon, je suis avec ça comme ça. Le lagon. Le lagon, c'est ça que je veux voir. C'est sûr que c'était ça qui est bien quand t'es collé dans ton cerveau depuis. Le bleu, le bleu. J'ai cherché ça partout, je n'ai pas trouvé. Dans tous les restaurants, dans tous les bars, comme ça que je suis parti, j'ai demandé au bleu, je n'ai pas trouvé. Non, c'est pas ça, il y a. Le problème, c'est qu'ici, là, on te met une compte. C'est quand tu finis ton verre. Là. Bon, on a dit qu'on va grignoter. On va grignoter quoi? Des brochettes. Oh oui, déjà un cocktail pour boire. Du Blue Lagoon pour moi. Blue Lagoon pour vous, très bien. Oui. Et le Luxembourg. Un cocktail Luxembourg. Oui. On vous arrange ça. T'as choisi quoi, mon cœur? Je pense que les brochettes seraient... Les brochettes d'oignon. Ouais. Voilà, là j'ai changé de position parce que j'étais vraiment à contre-jour dans l'autre sens. Donc du coup, il y avait trop de la lumière qui frappait et l'image n'était pas assez claire. Donc là, on peut remarquer que l'image a changé. Elle est complètement propre là maintenant. En plus, c'est la vue derrière moi. T'as vu, hein? Et voilà, par là, je peux bien voir tout. Là, on est... Merde, ça fait longtemps que je suis ici. J'ai jamais vu que le truc là, ça tournait. Hein. Regardez. Ça tourne. Moi, tu prends le bleu. Le bleu, c'est pour les enfants. Donc, du coup, moi, j'ai pris le Blue Lagoon. Et maman, il a pris le Luxembourg. Donc, on a les plus apéritifs. Le rose, c'est pour les femmes. Le bleu, c'est pour les enfants. Oui, mais c'est toi qui as commandé. Hein. Allez, mon cœur. En notre santé. Santé.
Voilà, mon bleu lagon, j'aime bien. C'est trop bon. Alors les amis, je vous explique l'histoire du Blue Lagoon. En fait, je crois que c'était l'année dernière, on devait aller en Malte. Non, c'était cette année. Hein. Cette année, on devait aller à Malte et pour voir le Blue Lagoon avec maman. Mais malheureusement, mamie est partie. Donc, ça nous a empêchés de voyager. Et quand je suis arrivée ici au Luxembourg, pour regarder en fait les différents cocktails, parce que j'adore les cocktails, moi. Quand j'ai vu le Blue Lagoon, j'ai dit bon, en fait, puisque je ne peux pas aller au Blue Lagoon, le Blue Lagoon va venir à moi. Donc à chaque fois que je viens ici, mon challenge en fait, il est de boire le Blue Lagoon jusqu'à ce que je parte là-bas, quoi, avant d'arrêter de boire ça. Donc, à chaque fois que je viens ici, c'est le seul cocktail que je vais prendre, même si c'est bleu. Ça va? En tout cas, bon, comme j'ai quand même les longs yeux, hein, j'ai goûté fouché. Bon, maman. Tu remues mon truc, pourquoi? Je t'ai pas demandé de remuer. C'est amer. Oui. C'est le rose mâle dominant. C'est un rose mâle dominant. C'est un rose mâle dominant. Oui. Et voilà, comme j'ai pas forcément faim, moi j'ai pris en fait une assiette de fromage. Comme ça. Monsieur le viandevore a pris son entrecôte. Comme d'habitude, il adore la viande, ce monsieur. Non. Je vais laisser la caméra pour manger. Pour grignoter. Si je vais manger à la maison. Voilà. Bon appétit à moi. À nous. Voilà notre plat d'entrecôte pour monsieur, maman. Avec son jus rose. Bon appétit, mon cœur. Merci. Je vais bel évidemment aller grignoter dans son plat, les gars. Vous avez vu? C'est aussi ça qui fait en fait notre complicité. C'est maman, en fait, c'est mon meilleur ami, c'est mon pote du Congo, ça, c'est tout. Et en fait, à chaque fois qu'on va au restaurant, c'est que je commande jamais. Mais ce qu'il commande, c'est ça que je mange. Donc, du coup, vous montrez, j'allais vous voler. Il est déjà habitué, il sait que c'est comme ça. Donc, du coup, vous voyez, hein, il découvre mes mains là, direct. Ce que j'ai commandé, c'est devant moi. Hein. Je ne touche pas. Je mange ce que lui a commandé. On fait ça. Ça te dérange mon jour? Non. Tu es déjà habitué? Je suis déjà habitué. Ah bon? Donc du coup on est qui me fait pipi. Voilà, j'aime aussi les toilettes de ce restaurant. C'est propre. Ça sent pas les pipis. J'aime bien. Et ça, c'était le outfit. Le outfit of today. Voilà, ici, c'est en fait un haut qui vient de chez Evidence, bien évidemment. Et ça fait depuis longtemps que je l'ai porté une seule fois. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai fouillé ma garde-robe pour la retirer. La jupe ici, je l'ai acheté au Cameroun. Voilà. Et il est là. Santé mon cœur. Pour le dessert, on a pris deux Irish Coffee. Voilà, du café alcoolisé. Ouais. Alors là, la famille, elle vient de se passer un truc de fou. Mon Dieu. Il vient de se passer un truc vraiment très rigolo. Là, j'avais déjà pris en fait mon Irish Coffee pour la fin.
Le problème, c'est que en fait, il y a c'était dimanche passé pour la fête des pères. C'était même pas pour la fête des pères, hein. C'était pour la fête des pères que tu m'as acheté le lémontier. Oui. C'était pour la fête des pères, hein. Oui, oui. Non, c'était pour la fête des pères. Oui, non, des pères. Voilà, pour la fête des pères, maman avait acheté le lémontier. Et je pense que c'est la première fois que je suis tombée dessus, je suis devenue mes fans. Donc chaque soir avant de dormir, je prends un shot de lémontier, je suis devenue accro. Et ce qui s'est passé tantôt, c'est que bon voilà, on a pris le cocktail, vous avez vu au début. Donc après on a pris le RH Coffee pour la fin. Et donc du coup, le serveur est venu demander est-ce que j'ai besoin de quelque chose pour la fermeture. Et j'ai demandé au serveur, oh, bah, propose-moi quelque chose. Là je viens de prendre un cocktail, j'ai pris un... Qu'est-ce que je peux bien prendre qui va épouser en fait ce que j'ai déjà pris pour que ça ne me dérange pas. Et vous savez ce qu'il m'a proposé? Hein? Le lémontier. J'ai l'impression que ce monsieur, il me connaît vraiment. Je suis trop contente. Oui, santé, vraiment. Voilà. À votre santé, à notre santé. Alors, les amis, du coup, je vais devoir vous laisser. On est en tête à tête là quoi, on est en amoureux. Du coup, les amis, tomorrow, good night.